unité morale. Au-dessus du Congo, bonne étoile, unité nationale. J'ai plein de I love you, Congo. I love you, Congo. Mes chers frères, mes chères sœurs, oh Congolais, soyons forts. Lève-nous des noms. Votre attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît, votre attention. Bonjour à tous. Est-ce que ça va? Je sais que vous êtes fatigué parce qu'il y a certains qui disent ça va bien. Je disais bonjour à tous. Voilà, nous sommes heureux de vous avoir parmi nous à Kinshasa pour un séjour touristique. Quelques sites à la fois institutionnels et historiques de la capitale. La dernière fois, vous étiez à Kinshasa, on a fait des circuits écotouristiques, nous sommes allés chez Lola Bonobo, il y avait des circuits culturels, on est allé au musée. Et cette fois-ci, nous changeons le programme, bien sûr en complicité avec l'école, pour des circuits à la fois institutionnels et historiques. Alors nous, comme vous le savez, nous sommes l'Office national du tourisme. Notre travail, c'est de faire la promotion et le développement de la destination RD Congo. C'est-à-dire, notre travail, c'est de faire connaître la République démocratique du Congo dans son ensemble. C'est-à-dire, sur le plan historique, culturel, sur le plan gastronomique, etc. Alors, comme je disais, nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Recevez le bonjour de notre directrice générale qui ne pourra pas être avec nous. Elle a voulu bien être avec nous. Mais le dernier jour du circuit, nous serons avec notre directeur général adjoint. Parce que le dernier jour, nous allons clôturer par la visite de la primature. C'est-à-dire le bureau de Madame Judith. Comment s'appelle Madame la... Oui, oui. Madame Judith. Judith qui? Nous allons tous aller pour accéder dans les bus et débuter. Tout le monde, vous aurez ce dépliant. Vous êtes à Kinshasa pour une visite de 3 jours. Aujourd'hui, nous allons visiter l'aéroport de Ndjili. Demain, nous allons visiter le palais du peuple. Non, non, cette fois-ci, nous allons entrer. La fois dernière, au Sourara Liban, dans la barrière. Mais cette fois-ci, on va entrer jusque là où les députés disent qu'ils sont pour, qu'ils sont contre. Donc, nous allons visiter vraiment le palais à l'intérieur, de l'intérieur. Donc, c'est différent de la dernière fois. Ils avaient refusé de nous recevoir. Mais cette fois-ci, le président de l'Assemblée nationale, Asona Tunisu Kombonae, a problème. Bon. Comment il s'appelle, le président de l'Assemblée nationale? Après la visite, nous revenons ici. Demain, il y a pratiquement 2 sites, donc le Palais du Peuple et l'Académie des Beaux-Arts. Oui. Et le dernier jour, nous allons visiter le jardin botanique de Kinshasa, le jardin zoologique, et nous allons finir par la primature au bureau de Madame la Première ou le Premier ministre. Alors, voilà, en bref, le programme, pardon. Il y a quelqu'un qui posait une question là? En quoi? Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont loué le bateau. Le bateau a été loué. Regagnez le bus. Il y a monsieur Guilin qui est là. Vous prenez votre dépliant chez lui.
nous aussi on aura notre arène. Le stade des martyrs a été perfectionné de l'intérieur lors des jeux, des 9e jeux de la francophonie. Il y a maintenant plusieurs stadiums de basket, des terrains où on peut jouer au ping-pong et des terrains pour les athlètes. Donc le judo, la course, comment on appelle ça? Des stades couverts, hein, des stadiums couverts, comme ça se fait en Europe et ailleurs. Mais de temps en temps, je vais intervenir. Si vous avez même des questions, vous pouvez toujours les poser. Je suis là pour vous répondre. Bengana mungu na tunasuka Kumbule toko mbona batwa libanda Bayako sansabiso otango ekoki Yako teka molimo peko somba Bamba nyoso bamba Toko wapona mboka liwa ya tina Fumuki mamu loka kapila Bebe mumba kito zelo bro Demi toto demi disney Bebe ne mambo za titumi aye mbo Le complexe que vous voyez à votre gauche, c'est déjà le complexe de l'aéroport international de Njili. C'est le tout premier en termes de capacité, en termes de longueur de la piste. C'est la première porte d'entrée aérienne de la République. Cet aéroport a été inauguré en 1953. Donc ça fait vraiment très longtemps. Et je crois que, ou j'espère que vous allez apprécier la visite. Alors je souhaite déjà à tout le monde une très très belle évasion. Derrière moi, c'est le bureau de l'Office national du tourisme. Comme j'avais dit à l'école, notre travail, c'est la promotion et le développement du tourisme en RDC. C'est-à-dire que nous vendons la RDC. La RDC, c'est comme un produit. C'est comme un coca que nous présentons
dans les marchés internationaux afin que les touristes viennent visiter notre pays. Non seulement les touristes internationaux, mais aussi locaux. C'est comme vous, l'école Vuketo, en partenariat avec l'Office national du tourisme, vous visitez Kinshasa. Et il y a également d'autres provinces qui viennent, également il y a des élèves de Kinshasa qui vont également à l'extérieur. C'est vrai qu'il fait chaud, parce que n'oubliez pas, il y a des voyageurs, donc il ne faudrait pas que nous puissions passer afin que les autres, les voyageurs qui viennent pour s'envoler ou pour atterrir, soient à l'aise. Donc voilà la petite communication. Merci. Allez. Papa. Unité nationale. Unité nationale. Toko salama soma le kakala. Toko kanyo soya mabena fungu. Ona kongo ya kana yeke desini kusuwa. Papa. Unité nationale. Tout ce qu'on peut demander aux hommes politiques, à chaque conflit, mettez-vous autour d'une table ronde. Au lieu d'utiliser les armes de guerre, ça n'aboutit à rien. Marchons main dans la main. Avant, s'il vous plaît. Nous sommes là pour la promotion du tourisme et nous facilitons le passager, le tourisme qui viennent pour visiter la ville par la porte de la ville. Nous sommes là aussi pour les statistiques de touristes parce qu'on doit savoir combien de touristes sont entrés. Si vous regardez bien, vous allez remarquer qu'il y a des parties. Ok. Nous sommes à l'aéroport, nous sommes très contents pour votre présence parce que vous avez accepté de venir visiter l'aéroport. Et nous sommes fiers de ça. Ok. Si vous regardez, je disais, vous allez voir derrière les tableaux, il y a une autre partie. Cette partie-là, on appelle la piste. La piste, c'est là où l'avion fait les mouvements d'atterrissage et les décollages. Ok? Vous allez remarquer que quand l'avion atterrit, l'avion va atterrir derrière les tableaux rouges. Et si l'avion veut décoller, c'est sur la piste que l'avion décolle, c'est sur la piste que l'avion atterrit. Les deux mouvements que l'avion fait, l'atterrissage et les décollages, c'est pas sur la piste, pas ici. Ici, c'est genre les tarmacs, c'est les parkings des avions. Lorsque l'avion atterrit, il vient stationner ici. L'avion ne peut pas décoller ici, sur cette partie. L'avion fait les taxis, ok, et puis il va sur la piste pour prendre son mouvement de décollage. Ça se comprend? Et vous allez me poser la question, comment l'avion atterrit? Et par quelle magie il va stationner, il va faire ces mouvements-là. L'avion, les pilotes communiquent toujours avec les agents de la tour de contrôle. Vous voyez la tour de contrôle en orange. Ok. Si vous regardez bien à l'intérieur, vous allez voir il y a des agents. C'est cette tour-là qui communique aux pilotes d'atterrir ou bien de ne pas atterrir. Vous voyez? Ce mouvement ici, ce n'est pas sur la piste, ce n'est pas sur cette partie, c'est la deuxième partie.
l'avion a atterri sur la piste. Et puis il va venir parquer sur ce tarmac. Et celui qui est à l'intérieur, les pilotes, le commandant de bord, est en communication avec les agents de l'ATS, c'est-à-dire ceux qui sont à la tour de contrôle. Ils vont lui-même lui dire de parquer peut-être sur l'espace 7, le numéro 7, sur le numéro 8. Va te donner parce que souvent il y a des avions qui veulent atterrir au même moment, alors c'est la tour de contrôle qui signale que non, toi tu peux d'abord faire tourner, tu laisses d'abord que l'autre puisse atterrir et après, comprenez. Si vous avez des questions, vous me posez. Mais à l'aéroport du côté national, il y a des vols qui font des provinces, Mwanda, Lubumbashi, Goma, Bukavu, Kisangani, ces mouvements-là s'opèrent ici. Mais pour voyager, on a toujours besoin d'un document. Si ce n'est pas une carte de lecteur, c'est son passeport, comme identité. Là, c'est du côté national. Mais du côté international, on a besoin juste du passeport. On n'a pas besoin de la carte de lecteur. Parce que là-bas, ce sont des mouvements internationaux avec d'autres pays. La France, les États-Unis, l'Allemagne, le Canada, ces mouvements-là maintenant s'opèrent de l'autre côté. Ok? Ici, nous sommes du côté national et de l'autre côté, côté international. Vous avez remarqué, lorsque nous sommes entrés, nous étions au hall public, il y avait beaucoup de passagers. Vous êtes passés par là. Ce sont des passagers qui sont en train de faire les formalités pour les mouvements de Lubumbashi. Ils sont en train d'aller à Lubumbashi. Alors, ils font l'enregistrement au niveau de la compagnie. Vous présentez votre billet, vous présentez votre carte d'électeur ou bien votre passeport. Après, on vous prend en charge. Après, vous passez à la migration, la DGM. On vous identifie, on enregistre et après ça, vous êtes dans la salle d'attente. Là, c'est la salle d'attente. C'est-à-dire, lorsque nous sommes ici, il y a des passagers qui nous regardent. Ils sont en mesure de nous voir. Et parce que les vitres sont un peu noires, il n'y a pas moyen de voir les passagers. Ok? Qui a une question sur ce que je viens de dire, ou bien une question de curiosité, vous posez, on va vous répondre. Côté international, oui, on va avancer. Ok? Mais déjà, regardez ici. Tu vois là nous sommes. Regardez là nous sommes. Vous voyez là où il y a l'avion SGL, jusque de l'autre côté, c'est du côté international. Je pense qu'avant que vous puissiez quitter ici, il y aura un vol international, il y aura éthiopien en provenance d'Addis Abeba, hein, de l'Éthiopie, qui va atterrir. Oui, la tour de contrôle, c'est-à-dire tous les mouvements de l'aéroport, par rapport aux atterrissages et aux déboulages. Ok? Ils sont même en mesure de donner l'estimation des vols qui vont atterrir au Congo central. À Lubumbashi, ils peuvent voir ça. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de couvrir les pays. C'est-à-dire, il y a peut-être en face de nous, Brazzaville, mais il y a un survol, c'est-à-dire l'avion qui quitte Brazzaville, qui va peut-être en Angola. Mais cet avion-là va passer chez nous. Ok? Et ils sont en mesure de répertorier ça, de tracer. Que non, il y a un vol qui quittait Gabon, qui va à Luanda. Ok? Port international de Ndjili. Pourquoi on appelle l'aéroport international de Ndjili? C'est parce qu'il y a des mouvements internationaux et les mouvements nationaux. Les mouvements nationaux, ce sont des vols qui proviennent des provinces. Goma, Lubumbashi, Kisangani, Équateur, Mandaka, Mbujimayi, okay? Congo central, du côté nationaux. Et du côté international, ce sont les vols qui proviennent des pays étrangers. Okay? Par exemple, les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, okay? L'Angola, Brazzaville, Gabon. Ces vols-là atterrissent du côté international. Si vous remarquez, il y a des espaces. Derrière les tableaux rouges, il y a une deuxième partie. La deuxième partie, là, c'est là, on appelle ça la piste. La piste, c'est là où les avions font les mouvements.
de découlage et atterrissage. Vous allez rester ici quelques minutes, vous allez souffrir par rapport au soleil, mais vous allez voir les mouvements. Il y aura, dans quelques minutes, il y aura l'avion qui va atterrir. L'avion atterrit sur la piste. L'avion n'atterrit pas sur les tarmacs ici. Les tarmacs, c'est comme les parkings des avions. Lorsque l'avion atterrit sur la piste, il vient parquer sur les tarmacs. Ok? Vous allez remarquer, si l'avion veut décoller, il va faire des taxis ici, sur ces tarmacs. Mais après, il va aller sur la piste. Parce que sur la piste, c'est là où il fait les mouvements de décollage et les mouvements d'atterrissage. Ok? Quand nous sommes entrés, nous sommes passés au hall public. Vous avez remarqué, il y avait beaucoup de passagers. Oui, ils font les formalités pour la province. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'aller à Lubumbashi, ils sont en train d'aller à Goma. Ok, ce sont les mouvements qui se passent de ce côté. Et les pilotes, les capitaines à bord, communiquent avec les agents de la tour de contrôle. La tour de contrôle est là. Ok? C'est-à-dire, pour qu'il puisse atterrir, pour qu'il puisse décoller, c'est l'équipe qui est là-bas qui lui donne le go. Les pilotes ne peuvent pas décoller si on ne l'a pas autorisé de décoller. Pourquoi? Parce qu'au même moment qu'il veut décoller, peut-être il y a un autre avion qui veut atterrir. C'est comme un roulage. Ok? Et qui a une question? De curiosité ou bien une question sur ce que je viens de dire? Regardez aussi ici. Ça nous rapporte un peu plus de connaissances pour le savoir. Et
terrain en campagne. Et là, je vous montrer. Est-ce que vous avez déjà visité Kinshasa auparavant? Oui, l'année passée, on avait fait une excursion sur Kinshasa, mais on a fait deux jours. On a justement visité le site de Lola à Bongo et les palais qui peuvent voir l'extérieur et les. À l'intérieur. Là, vous étiez satisfait. Visiter l'aéroport international de Dili. Quelles sont vos impressions pour la première visite?
Oui, pour la première visite, nous, étant de l'Office national du tourisme, disons que les impressions sont bonnes parce que nous sommes en train d'accomplir notre mission qui est de faire la promotion du tourisme sous toutes ses formes. Nous sommes en train de vendre l'image positive de notre pays. Donc nous pouvons être contents. Et de votre côté, vous pouvez vous présenter? Oui, moi je suis M. Emmanuel Momo. Je suis enseignant au collège de Bouteau. En tout cas, je suis parmi les organisateurs de notre excursion. Vraiment, nous avons aimé cette présentation très bonne parce que, vraiment, le premier jour déjà, l'objectif est atteint. Nous avons visité l'aéroport de Ndjibouti ici. La première fois, moi-même, je parle ici, de voir vraiment l'avion en live, l'avion atterrir, l'avion débarquer. En tout cas, c'était vraiment une réussite totale. Même de la part des enfants, en tout cas, ils ont aimé. Et la prochaine étape, c'est? Oui, oui, demain, nous serons, nous aurons visité le Palais du Peuple, ainsi que l'Académie de Beaux-Arts. C'est là où nous allons visiter. Et puis, le dernier jour sera mardi. Mardi, nous allons visiter les jardins botaniques, les jardins zoologiques, ainsi que la primature. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'aéroport est très propre, très clean, les avions sont très beaux. On a vu certains avions décoller, tout ça m'a l'air sûr. Et je conseille aux autres de venir encore voir parce que c'est vraiment instructif. On a appris beaucoup de choses, comment les bagages entraient, venaient et comment on récupérait certaines personnes. On a même pu voir des passagers venir de pays étrangers et venir. Alors donc je conseille à certains de venir. Vous avez un mot à l'Office national du tourisme qui est... vous accueille ici. Qui vous a accueilli et puis l'organe technique du gouvernement pour en matière du tourisme. Oui, je remercie déjà l'Office national de nous avoir accompagnés au long de la journée. Ils nous ont donné deux bus pour les déplacements. Okay. Elle a permis que nous nous déplaçions dans la ville. Déjà à Kinshasa, c'est très difficile de se déplacer. Okay. Alors elle nous a beaucoup aidés. On la remercie énormément et on espère qu'elle a encore des surprises à nous offrir pour les restes de jours à venir. Et on serait contente aussi de la voir au moins une fois pour la remercier encore plus. Et on a été dans des bonnes conditions. À partir de notre dortoir, de l'école Souza, jusqu'à l'aéroport de Ndjili. Donc grâce à eux, on a pu avoir ces déplacements. Déjà, l'aller, c'était très simple. Nous sommes allés rapidement, malgré les retours avec quelques embouteillages. Mais ça va quand même, ça s'est bien passé pour la première fois et tout. Et j'ai beaucoup apprécié. Ok, la suite c'est demain. Oui, la suite. Vous serez encore prêt, déterminé à voir aussi beaucoup de choses. Oui, oui, on attend de voir ce que vous nous avez préparé. Comment ça sera, vu qu'on connaît un peu le programme. Demain, je crois, au Palais du Peuple. Oui. Donc, on est impatient. Et l'Académie des Beaux-Arts. Donc, on est impatient. Déjà, moi-même, j'aime beaucoup l'art. Donc, je suis passionnée du dessin. Donc, on attend de voir ça. Ce que vous nous avez préparé. En tout cas, merci. Je réponds au nom de Murphy Chassangoma, élève au collège Vumuketo. Vumuketo, c'est pour une première fois que vous venez à Kinshasa? Non, ma présence à Kinshasa n'est pas la première. Et visiter l'aéroport international de Ndjili, c'est une première? Oui. Et qu'est-ce que ça vous a attiré par rapport à cette visite que nous venons de voir? Bon, par rapport à mes différentes impressions, déjà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'organisation à l'intérieur de l'aéroport. Comment circulent les bagages, comment sont gérés les passagers et ceux qui ont des transactions à faire pour aller à l'étranger. Hormis ça, j'ai aussi aimé le design des avions. Il y avait des très beaux avions aussi. Demain, ça sera le deuxième jour. Qu'est-ce que vous êtes en train d'attendre de voir? Est-ce que ça sera l'occasion de découvrir certaines choses que vous n'avez jamais vues? Ou ça serait encore votre deuxième visite par rapport au site que nous allons voir demain? Bon, ce sera pour moi l'occasion de découvrir l'Académie de Beaux-Arts pour la première fois. Okay. Et aussi la première fois d'entrer au sein du Palais du Peuple. Okay. Déjà l'année dernière, nous étions au musée. J'ai déjà beaucoup apprécié la salle où il y avait les instruments liés à la musique et certains dessins. Donc j'espère que ce sera de même pour l'Académie des Beaux-Arts. Ok, d'accord. Vous avez un mot au président de la République par rapport au tourisme de la RD Congo? Bon, par rapport au tourisme, ce que j'aimerais, c'est renforcer et
réinventer les lieux à visiter. Par rapport à ça, déjà je trouve que nous avons de très beaux sites, mais qui pour moi ne sont pas vraiment assez exploités. D'accord, merci beaucoup, ça c'est un message. Je suis monsieur Alain Nofoli Mungumoya, sous-directeur en charge de la promotion de la direction régionale ouest de l'Office national du tourisme. Première question, qu'est-ce que vous avez fait pour faire déplacer une école de Matadi jusqu'ici, ici dans la province, ville province de Kinshasa? Voilà, dans le cadre de la promotion de ce que nous appelons le tourisme scolaire, ou le tourisme en milieu scolaire, nous avons lancé un programme. L'Office national du tourisme a lancé un programme des séjours touristiques pour différentes écoles de Kinshasa, mais aussi de toute la RDC. Alors nous avons commencé par le Congo central à travers l'organisation d'un séjour touristique de 3 jours avec l'école Vuvu Kieto, le collège Vuvu Kieto de Matadi. Et maintenant, vous avez préparé combien de jours? Voilà, j'étais en train de dire que ce séjour touristique des élèves du collège Vuvu Kieto prendra 3 jours. La fois dernière, l'année passée, ils ont bénéficié d'un séjour beaucoup plus à caractère écotouristique. C'est-à-dire, on a visité écotouristique et culturel. On a visité le Labonobo, on a visité le musée. Nous sommes allés jusqu'à l'échangeur de Limété. Mais cette fois-ci, cette année, c'est une visite ou un séjour vraiment à caractère historique, institutionnel et culturel. Raison pour laquelle aujourd'hui, premier jour, nous sommes allés à l'aéroport de Ndjili. Les élèves ont pu palper du doigt toute la machine de l'aéroport, comment les avions atterrissent, quand est-ce qu'ils décollent, les salles de retrait de bagages, la DGM, etc. Et demain, le deuxième jour, nous irons à l'Académie des Beaux-Arts pour finir au Palais du Peuple. Et enfin, le troisième jour, ça sera une classe verte au jardin botanique de Kinshasa, mais aussi un passage au jardin zoologique pour enfin finir à la primature. Donc les élèves de Vuvu Kieto seront reçus à la primature de la République le dernier jour, c'est-à-dire le mardi 30 avril 2024, bien sûr. Et il y a un message pour votre école? Voilà, le message est très très simple. L'Office national du tourisme est là pour organiser ce genre d'activité. Au fait, le tourisme scolaire contribue, à l'éveil du patriotisme, du nationalisme. Nous voulons apprendre à nos enfants à aimer ce pays à travers la visite des différentes institutions, des différents sites culturels, écotouristiques. Voilà. Alors, nous invitons les écoles d'ici et d'ailleurs de contacter l'Office national du tourisme pour voir dans quelle mesure leurs élèves peuvent bénéficier de ces merveilleuses activités touristiques à Kinshasa, mais pourquoi pas dans d'autres contrées de la République. Si nous prenons le cas de l'école qui vient de Matadi, est-ce que au niveau de l'Office national du tourisme, est-ce que vous avez les moyens, la capacité pour un peu tenir court à leurs exigences? Voilà, l'Office national du tourisme est organisé. Ici, je salue la vision managériale de notre directrice générale, Madame Jolie Omo-Mukendi, sans oublier bien sûr le DGA, M. Paul Diakese, qui n'aménage aucun effort pour, n'est-ce pas, offrir ce genre d'activité, non seulement aux élèves, mais à toute catégorie, toute classe de touristes qui existent. Nous avons des bus touristiques, nous avons des guides. Moi qui vous parle, je suis également guide touristique. Nous avons l'expertise pour amener les touristes congolais, mais aussi tout ce qui vient de l'international, partout en RDC. Car nous avons l'habitude de dire la République démocratique du Congo, plus qu'un rêve. C'est-à-dire, lorsque vous venez au Congo, vous allez découvrir tout ce dont vous rêvez. Voilà, donc venez, contactez l'Office national du tourisme, nous sommes là pour vous. La fierté morale au-dessus du Congo, bonne étoile, unité nationale.